Depuis la prise de conscience de l'éveil, je m'improvise sorcier des temps modernes en célébrant un rituel d'incantation en triolet. La base d'une magie noire, peut-être oui, avec une intention pure et une dévotion totale pour une libération. Il y a eu beaucoup trop d'éléments qui me sont arrivés dans les derniers temps pour ne pas être convaincu qu'il existe dorénavant une cinquième dimension ou juste simplement quelque chose de supérieur, constitué d'ondes et de vibrations en variation. Je nous crois ultra sensibles aux effets karmiques, un peu comme un sifflet pour chien, inaudible à nos oreilles. Tout passe par la mort de l'ego en introspection extrême pour que la graine de l'éveil germe. Jadis, j'ai peint trois pierres tombales sur une toile. Représenter une scène pour que s'enchaîne mon destin. À l'aveugle, j'interprète le dessin, en allant rendre hommage trois fois dans mon périple de ressourcement. Me libérer de mes chaînes en célébrant le rituel sa main. J'arrive à ma première destination, mon périple. Ça fait que oui, moi je crois à ça. Tout ce qui est spirituel ou ésotérique, tout ce qui frôle le surnaturel. Le rituel du road trip pour célébrer l'Halloween. Libération lointaine par l'entremise de ce rituel. Je vous demande la libération de mes chaînes, de mes barrières, auprès des vieux sages. Je fais offrande du beat de mes souffrances. Je m'attendais à ce que ça soit plus easy. Je m'attendais pas à faire une montagne, mais c'est tant mieux. La cinquième dimension demande plusieurs prérequis pour comprendre, pour que s'ouvrent les portes du royaume. Le portail de la paix d'esprit se trouve n'importe où, même chez les pauvres. C'est une question de timing, de synchronisme mathématique. De quelque chose de plus grand que tout. La clé pour débarrer les barreaux de l'invisible prison bâtie sur un cimetière de questions. C'est l'alignement des sept chakras. Au pied d'un arbre bandé depuis des lustres, je dépose à son ultime repos. Je désire qu'on me délivre de ma luxure. Même les animaux sauvages restent réceptifs à la beauté sonore que je trimballe. Aux souches d'une dense forêt, au crépuscule le plus beau, apaisez-moi de sagesse, en tendresse, je me libère du stress. Motivation, la forêt rouge et ses sons.
pas épargné. Reflet de voyance, des mois à l'avance. Dans la forêt rouge et ses cendres, j'en remets tout ce que j'étais pour devenir qui je suis en pleine nature, de quoi se nourrit mon âme. Affective ou personnelle, j'en remets au plus haut lieu, du plus proche que l'on me permet d'atteindre les cieux. Je me libère de la dépendance. Parce que...